Salut à toutes et à tous, c'est MaxTT57. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle les vidéos, les amis. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Comment ça va se passer pour les trois comptes lobby? Voilà, donc il faut savoir déjà que les trois comptes lobby, ils ont été vérifiés par moi-même. Je vais les expliquer tout ce qu'ils ont en caractéristique, ces comptes. Mais voilà, quoi, je vais tout vous expliquer. Vous allez être informés, comme ça après il n'y aura pas de rageux. Il n'y a pas de qui veut dire oh, t'as pas expliqué ça, en fait c'est pas vrai et tout. Voilà, donc les trois comptes lobby, ils sont tous pareils. Vous avez tous les mêmes choses. Dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi je ne vous les présente pas en vidéo. Donc elle sortira demain et ce soir et celle-là ce soir. Donc, mais les vidéos, je les ferai une à l'autre. Donc, il faut savoir que les comptes ont été vérifiés et transférés par moi-même. Donc, les comptes datent d'avant mars. Oui, d'avant mars. Ils sont plus de 2 mois, effectivement. Un mois. Ouais, un mois. Ouais, un mois parce que ça a été. Les transferts de comptes ont été. Les transferts de personnages ont été enlevés du jeu. Mais voilà, quoi. Les comptes sont pas très récents. Mais voilà. Donc, il faut savoir que sur ces comptes, sur GTA. Sur GTA, il y aura 700 millions, plus de 700 millions d'argent, de dollars, je ne me rappelle plus parce que ça fait longtemps. Même sur mon compte lobby que j'ai moi, je m'en souviens plus parce que j'ai pas joué depuis 3 jours au moins. Enfin, depuis que je vous ai sorti la vidéo, je ne veux plus jouer dessus. Et il y a donc, vous êtes niveau 300, vous avez plus de 700 millions de dollars. En fait, vous avez même compte lobby que moi. Et après, en fait, le modeur, je l'ai avant que je vous fasse le tirage, donc pendant que je ferai le tirage. C'est, je vous demanderai de me renvoyer par Snapchat, enfin sur un message privé, enfin, sur un message, vous voyez, vous me mettez et puis vous m'envoyez un message, votre gamer tag, parce qu'en fait, mon pote modeur, ensuite, va aller sur les comptes et va mettre le nom de votre gamer tag avec en rouge, en noir, suivant la tenue, comme ça, après, ça sera encore plus stylé et tout, vous allez être content, donc il y a 10 tenues modées, 3, niveau 300, 3 garages Eclipse Tower avec rempli de T20 customisés à fond qui peut se revendre plus d'1 500 000. Voilà, donc si vous avez beaucoup dépensé, voilà, mais je pense pas que vous avez beaucoup dépensé parce que vu tout ce qu'il y a, vous avez le plus gros PDG avec les 3 garages de fonction, vous avez le plus gros entrepôt de véhicules, le plus gros marchandises, voilà, vous avez tous les plus gros trucs. Donc là, il n'y a pas de. Vous n'allez pas dire, il n'y a pas assez de trucs là, il y a tout au max. On dirait que vous avez fini le jeu d'ailleurs, parce qu'après, vous pouvez vous acheter la rumeur 2000. Voilà, vous pouvez tout acheter. Les voitures, par contre, ne sont pas achetées. Les autres, c'est à vous de les acheter. C'est à vous de vous faire plaisir. Donc, aussi, vous avez le club de moteurs le plus gros avec le plus gros coaché, tous les plus gros tubes de trafic de papier et tout. Si vous voulez vous amuser un peu avec vos potes comme ça. Mais voilà quoi. Donc, attendez, j'ai répondu juste à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est pour ça que je. Donc. Pourquoi je ne les fais pas en vidéo, les comptes? J'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, on passe à Black Ops 3. Donc, sur Black Ops 3, Call of Duty Black Ops 3, vous serez niveau prestige, tout simplement, avec tous les trucs du marché noir débloqués, tous les camouflages, toutes les maps, même ceux qui sont payantes et comme les camouflages, tous les emblèmes, comment dire, les emblèmes, toutes les. Ah, la deuxième partie de la bande, bah, votre carte de visite, voilà, et l'emblème. Donc voilà, tout simplement, les amis, vous aurez tout ça niveau max prestige, enfin niveau max prestige max en ligne et en zombie. Voilà, toutes les maps de zombies aussi, même Nuketown Zombie. J'ai essayé moi-même sur mon compte lobby, c'est vraiment génial. Franchement, c'est magnifique de jouer sur un compte lobby comme ça. Donc, si vous me voyez un peu dans le noir, c'est tout à fait normal. Voilà, je suis dans le noir, là, il y a mon écran. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, en fait, j'ai l'écran du PC et j'ai la télé en même temps. Je joue à FIFA, là, en ce moment. Donc, c'est pour ça que, les amis, vous avez les reflets sur les lunettes. Donc, aussi, pour en revenir. Donc, voilà, pour Black Ops 3. Et pour ce qui est du dernier jeu, c'est-à-dire FIFA 17. Voilà, donc, vous avez plus de 50 millions de. 50 millions de crédit sur FIFA, vous avez 100 000 points FIFA, les amis, ce qui représente plus de 1 500 euros. Vous vous rendez compte un peu de 1 500 euros? 1 500 fucking euros! Vous vous rendez compte quand même tout l'argent que vous avez, alors que vous avez juste à faire participer à un concours, c'est juste magnifique.
Et voilà, vous n'avez pas tous les joueurs du jeu, par contre vous avez tous les meilleurs joueurs régulars, donc tous les joueurs régulars, mais vous n'avez pas les versions boost et tout. Voilà, c'est à vous de les acheter, vous n'avez pas les. Si vous avez par contre les Totti, donc Ronaldo Totti, Modric Totti, voilà, vous avez tous les meilleurs joueurs. Donc après, si vous voulez faire une équipe, donc vous avez tous les meilleurs joueurs, mais après vous n'avez pas les joueurs boost, SBC. Si, non, non, qu'est-ce que je raconte? Si les SBC, vous avez tous les SBC qui sont sortis, comme Cavani, Isco, Lacazette, El Shaarawy, Fernando Torres, enfin tous les plus gros. En fait, dès qu'il y a un SBC qui sort sur le jeu, il est mis automatiquement dans votre club. Voilà, donc c'est vraiment super, ça c'est bien, c'est un truc qu'a ajouté mon pote modeur. Mais ouais, les amis. Donc, s'il vous plaît, je vais vous expliquer pourquoi je peux pas vous les montrer en vidéo. Simplement. Voilà, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, les amis. Donc, aussi, ce qui est pour du concours. Donc, vous rappelez-vous, jeudi prochain, je fais tirage au sort. Et ensuite, je dis à mon pote pour GTA de mettre les comment dire, les gamer tag. Voilà, vous l'envoyez dès que vous voyez cette vidéo, vous l'envoyez. Voilà, donc dès que vous avez vu cette vidéo, hop, vous m'envoyez vite fait un Snapchat, je vous réponds, je vous dis merci et voilà, je vous réponds tout de suite de toute façon. Donc les amis, donc j'espère que cette petite vidéo explication un peu à l'arrache vous aura plu. J'aime bien faire des vidéos à l'arrache, comme vous savez, c'est mon habitude. Tu te souviens du planning à l'arrache? C'est moi, merci. Et des vidéos faites à l'arrache, merci, j'en suis fière. Voilà. Donc les amis, je vous retrouve très prochainement là dans une prochaine vidéo pour vous expliquer pourquoi je fais pas de vidéo sur les comptes. Ça sera une petite vidéo de 2 minutes, mais voilà, ça sera quand même une petite vidéo. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis ciao les potos, c'était Max 27. Ciao!